C'est parti pour cette randonnée de 8,7 km avec un dénivelé de 363 à la Bourboule. Regardez-moi ça comme c'est joli. Alors il y a une partie en ville d'abord et ensuite on s'extirpe dans la forêt. Alors on est passé devant le passage Choucy, juste pour voir le passage en fait, un petit détour et puis là ça va commencer à grimper. Alors j'ai peut-être pris la randonnée dans l'autre sens, mais je voulais passer en ville d'abord. Oh purée, ça va être une bonne grimpette. On va sur la droite. Ouais, la roche des fées. Alors on a bien bifurqué sur la gauche et on y retourne le rocher. Ouais, c'est ça, de la Bourboule. Ah, il a plu énormément. Alors je me suis dit, je mets pas mes chaussures de randonnée, je mets mes baskets. J'espère que ça ira. Ouais, je vais plutôt aller sur la gauche plutôt que de prendre les marches. Ah, c'est humide. Bien humide. Bon, là j'ai l'impression qu'on fait qu'une seule montée. Ah ouais, c'était la roche des fées avant, une seule montée et descente. Bon. On verra bien. Alors on vient de voir la roche des fées. Et là il y a un petit parking on dirait. Voilà. Et il y a un autre point de vue. Ah ouais, non c'est mieux.
Ah oui, c'est ça. En fait, on va sur les deux points les plus élevés pour avoir une vue sur la ville, je pense. Enfin, ça gronde. Mais normalement, il pleut pas tout de suite. Alors on vient de là. Ouais, c'est bien mouillé. Ouais, ça gronde, mais à mon avis, c'est plus loin. Ouais, il est joli ce chemin. Hop, avec toutes les mousses. Ouais, non, en fait, a priori, il n'y a pas plus de 6,5 km. Je sais pas, c'était marqué 8 et quelques. Ah, une belle ligne droite là. Alors en fait, je me suis trompé sur la distance. C'est parce que j'ai pris la randonnée dans l'autre sens. Alors forcément, la montre indique par rapport au sens opposé. Et alors de ce côté-là, c'est bien bleu. Et à ma gauche, c'est genre plutôt bien gris. Alors nous, on va légèrement sur la gauche. Il y a une petite route, il y a une légère pluie, mais c'est dommage. Ah, ça s'est arrêté de gronder. Alors, j'avais inversé deux randonnées. Ouais. J'aurais peut-être dû rester sur mon premier choix parce que là il pleut quand même un peu. Ah, ça coule bien. Ah, ça fait une belle petite cascade. Et ça coule plus qu'il y a 2 minutes. Pourtant, il pleut plus. Ouais. Ah, il pleut plus, effectivement. C'est joli. Yep, c'est marrant. Hein? Ouais, sauf que nous, on va tout droit. Ah, ça se dégage bien, donc ça part vers l'ouest, enfin à la gauche. Alors normalement, nous, c'est à gauche. Je vais voir s'il y a des indications là-bas.
Et hop, là, c'est le funiculaire, me semble-t-il. Là-bas, c'est bien grillé. Alors, nous sommes au réservoir d'eau du funiculaire. En fait, c'est celui qui gère la force motrice. Et c'est une source d'eau quasi inépuisable. Et si je ne me trompe pas, on devrait aller là-bas. Par contre, il y a pas mal d'herbe. Ah, sans la pluie, c'est mieux. Hein. On est dans une petite allée marrante là. Et qu'est-ce qui se cache là? Ah ben c'est l'ancienne machine funiculaire. Ancienne gare d'arrivée du funiculaire de la Bourbe. Ah ouais. Hop, regardez-moi ça. Il y a une maison. Ouais, ça grimpe quand même. Bien que c'est tout mouillé. Et en fait, faut pas trop descendre par là, j'en sais rien. Hop, attends, je suis bête, c'est vrai que je peux. Hop, il y en a une belle vue ici. Bon, on fait le tour en fait. Tout à l'heure j'étais passé là pour prendre un peu plus de hauteur. Alors en dessous là-bas c'est l'ancienne gare. C'est joli hein. Même avec les nuages. Ça descend quand même ici. Hein. C'est un peu de la gadoue suite à toute la pluie qu'il y a eu ces deux derniers jours. Mais bon, oh, pas plus pour l'instant. Il y a encore une belle petite descente là. Et en fait, bah. C'est pas plus mal peut-être d'aller voir d'abord la roche des fées
Il fallait partir tôt, hein, évidemment. Et puis, ensuite, aller au funiculaire. Parce que là, la montée, elle est quand même assez méchante. Là, si vous la faites dans l'autre sens. Donc, cette descente. Oups, ça tourne dans tous les sens. Ouais, pas mal de caillasses, toi. Je me casse pas la figure, je vois rien. C'est une grosse montée en fait là. Il y a 4-5 virages avec une grosse montée. Ouais, il n'y a rien d'insurmontable. Alors c'est vrai qu'on a une belle petite descente. Et ici, je sais pas trop ce que c'est. La trace indique. Je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais oui, en fait, c'est l'ancien funiculaire. Suis-je bête? Ah, attends, regarde, ça descend. Hein. Ah, on va aller voir ce qu'il y a là-bas, sur la gauche. La gare intermédiaire du funiculaire. Ah, et puis ça. Regarde-moi ça. Alors on vient de là. Ma montre m'indique 440 mètres d'ascension. Voilà, il reste encore une descente jusqu'à la Bourboule. Et un peu moins de 2 km. Et quand même, c'est une belle petite descente. Hop. Alors, ouais, j'ai pas tout le temps regardé. Hein. Mais il y a beaucoup de 15% en descente et ça peut aller jusqu'à 26. Bon, là d'où je viens évidemment. Ah, j'étais assez loin. Alors voilà notre petite descente. Il y a pas mal de caillasses en fait. Faut faire attention. Ouais, là, on va peut-être prendre les chaussures de randonnée. C'est beaucoup plus cool. Oui, donc là, j'ai tourné à gauche. Bon, j'ai continué un petit peu tout droit parce qu'on avait une belle vue. Et puis après, on... Hop, à droite. Ouais, j'avais un peu peur parce que sur... Enfin, peur. Parce que sur la trace, c'était... Il y avait 15 millions de zigzags. Et c'était bizarre. Ah, c'est l'ancienne voie. Ah, ça fait beaucoup de métal. Hein. Ici, c'est ma route de passage. Ouais, c'était sympa, hein. Ouais, quoi dire. Ouais, il y a quand même quelques grosses montées, quelques grosses descentes.
Attends, nous on va où là? Ouais, on va monter ça par là. Dans la boue. Je sais pas, au moins que ce soit sur la gauche. Non, ça doit être là, je pense. Oui, et puis je vais être. Il y a eu pas mal de points d'intérêt hein, tout de même. Bon, c'est dommage qu'il y ait eu quelques nuages qui sont rentrés dans la partie, mais. Oh, il y a une famille de randonneurs là-bas. On va aller leur dire bonjour. Et nous, c'est sur la gauche. Oh, ils sont trois. Bon, ça va. Il n'y a pas grand monde. Ah, il y a dû y avoir des beaux circuits hein, ici. Hop. Bon, c'est joli, mais après, il faut partir. Hein. Ouais, c'est joli hein. C'est un beau parc hop, pour les enfants. Il y a même des petits trains qui passent. Voilà. Là, il y a plein de boue par contre. Ouais, c'est joli ce qu'ils ont fait. Hein. Allez, là. Ouais, c'est pour les gosses. Mmh. Bon, on s'amuse comme on peut. Hein. Ouais, c'est super bien aménagé. À mon avis, c'est dans le thème roche des fées. C'est très joli. Hein. Alors là, c'est bon, j'ai fait une petite bifurcation. C'est la gare du petit train pour les enfants. Hop, hop, et là. Et comment ça peut voir. C'est super joli. Hein. Là, ça rapporte le casino. Hein. Ah bah, le train, il venait de terminer son petit tour à mon avis.